Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo 150 tentatives exo. Il est l'heure les potos de se rattraper de la dernière fois où malheureusement on avait eu le triste nombre de 0 exo. Ça faisait longtemps, voilà, après plusieurs épisodes de chance, c'est des choses qui arrivent. Aujourd'hui c'est demi, voilà, tout le monde le sait, compensation, tout ça, j'espère évidemment. Donc un brisage peut-être, enfin, on attend toujours, un anneau, peut-être le fameux cest que j'attends, qui me prend toujours beaucoup trop de temps pour les remonter, ça je vous le dis à chaque fois, mais il va falloir que ça passe au bout d'un moment, ça serait cool, vraiment, vraiment. Avant de se lancer, bonne petite nouvelle, alors pas de preuve de vente à signaler, la convoitise n'est pas partie, j'ai plus d'exo en vente à part la convoitise, bon j'attends un petit peu, je pense que je la baisserai à terme, on verra, mais du coup on a une bonne nouvelle, c'est que sur les deux gagnants de la dernière fois, on a Dimitri, un des deux gagnants, qui malheureusement arrête le jeu et qui a remis ses cam en jeu, donc voilà, on lui dit merci pour tous ceux qui ont commenté la dernière fois, malgré qui n'ait pas eu de 5 millions en jeu, et ben voilà, vous avez cette petite surprise, on fera le tirage et donc bah, ça fera plaisir de récompenser un de vous, donc on verra à la fin et on va directement se lancer. Vous savez quoi, on va commencer par le costumage au niveau des brisages, on va changer un petit peu d'habitude, on finissait toujours par ça, donc on est parti avec nos petits jets brisages et ouais, ça fait longtemps quoi hein. Je fais que le dire à chaque fois là ces derniers temps, mais ça fait longtemps. J'ai baissé un peu le son, voilà, c'était un peu fort, donc on reprend avec les capcœurs saignants. Et oui les potes, et oui, oui, c'est des choses qui arrivent sur l'exo, on me demande toujours est-ce que t'es rentable, combien de temps tu passes, combien de kama. Je le redis, voilà, je mets environ 20 millions hein, pour remonter les anneaux. J'ai pas regardé pour les tentes à brisage, j'avais regardé, bon, vous pouvez rajouter peut-être 5, vraiment max, je pense. Max du max pour les tentes à brisage. Mais du coup voilà, 20 millions, il faut toujours compter au moins un exo pour rembourser. Et puis vu qu'il y a pas mal de temps, évidemment, de remonter, faut se dire que, bon, deux exos, c'est ok, quoi. À partir de deux exos, on peut commencer à discuter. Pas d'exo sur le costumage. Allez les gars, là ça fait déjà 20 tentes à brisage. Il nous en reste 30. Je le veux ce brisage là. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas fait. Vraiment. Mais ce que je veux le plus, vous le savez, c'est le cest. Le fameux cest, je vous jure, je mets tellement de temps et de kama sur ces cests. On va chercher le beau jet, hein, parce que comme ça, le jour où ça passera, on sera content. Peut-être aujourd'hui. Croiser les doigts. Allez, on finit du coup par les cacs avec le Volcorn. Le Volcorn. Qu'on met toujours en 60 puits environ. 58 à 60. Pour pouvoir faire des bons petits brisages. Les jets sont bien optiques pour le brisage. Comme d'habitude, c'est fini pour les Volcorn. On va sur les haches. Haches, mantaches et les martortures. C'est le dernier brisage actuellement, lui. Hein, qu'on avait fait avec le mur Pado. Qui nous avait troll malheureusement. Je crois qu'on se dirige sur du no exo hein, pour les brisages, les gars. Ouais, pas de brisage encore une fois, c'est chaud. Je vous ai fait un petit sondage sur l'anglais communauté pour vous demander là. Non, malheureusement, ça veut pas, les gars. Donc, bah, les anneaux. Et attention, hein, pas de troll, hein. Au moins un, n'est-ce pas, les gars? Allez, donc on commence cette fois avec les petits pas de greffe. On aura du 7 d'eau, 12 d'eau cri, mais c'est réservé. Là, on en a juste le 12 d'eau cri, mais c'est réservé pour les PA. J'ai gardé. Donc, on verra ça. Pas de petit PM ici. Les petits. VV, évidemment. Est-ce que j'ai des trucs sympas à vous montrer au niveau des G? On verra. Ah bah oui, oui, il y a quand même quelques petits bons petits G qui sont glissés. Là, on a un bon VV. Bon, c'est pas très dur à viser toujours, mais un bon petit V pour 100 PM, non. Et on aura un très beau pour une tenta PA aussi. Même si c'est pas, voilà, c'est plus très exceptionnel maintenant, les VV à near perf. Ça reste toujours sympa. Petite corrup avec la récré en plus. Nope. Ok. Et du coup, au passage, ouais, je l'avais dit sur l'onglet communauté, pareil. Je pense qu'on... Enfin, je pense, c'est même sûr, en vrai. On va, à partir de cette semaine, partir sur une vidéo toutes les deux semaines au niveau de l'exo. Parce que, voilà, la remontée prend du temps. J'ai pas vraiment envie. Vous me proposez souvent votre aide. Donc, c'est sympa. Mais en vrai, ça va. Je vais continuer comme ça. Et faites vos petits bails tranquilles. Y a pas de problème. Allez, pas de cru PM. Les Russ. Ah, les Russ. Lui, je l'ai mis sur une tente à paire. Regardez ce PM. Regardez ce G. Genre, trop clean. Trop clean. Near perf, 70-38. Avec les 10 soins, il y a 14 PP. Je me rappelle, j'avais même une tente à PP en plus pour viser les 15. Bon, il manque 2 soins, quoi. Mais sinon, trop clean le G. Dommage que je le fasse sur du PM. Mais on va quand même le faire sur du PM. Dommage. Dommage. On a toujours des beaux Russ. Hein, que j'ai refait, du coup, en 10 esquives. Donc ça c'est toujours sympa, si ça passe c'est toujours plus de kama. Parce qu'à un moment je les faisais en 9 esquives parce qu'à un moment ça suffisait genre avec des grosses stats. 9 esquives ça partait très cher, au fur et à mesure les prix ont baissé. Donc là ça y est, je suis reparti sur 10 esquives, ça se fait toujours très bien. Les fameux cests. Allez les gars. Les fameux cests, j'ai fini par eux d'ailleurs. Enfin j'essaie toujours de faire 5, puis re 5.
Allez avec la petite récré. PM ou PA, hein, franchement. Non, 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 non. Les petites backtreats. On arrive déjà sur les 10 dernières tentes à PM. Non, on va pas faire deux fois no exo. Hein. Ça c'est intolérable, les gars. Vraiment de chez vraiment. Je ne peux pas accepter. Les petits Volcorn. On a du vin d'eau. J'en ai mis une pour le PM. Non. Allez. Encore une. Non. Pas de PM. Ok. ça pue les gars. Yes. Le Cedo 12 de cri sur le pas de greffe ici pour la première tenta. PA. Non. Je crois que j'ai trop tiré sur la chance les gars. J'ai un petit peu peur. Non mais voilà. 47 tenta restantes. C'est une autre Cedo 12 de cri. D'ailleurs très clean. Je suis passé un peu vite dessus. Là on a le petit over. Non. Allez, non mais vraiment. Vraiment les gars. Vraiment de chez vraiment. On ne peut pas ne pas passer d'exo. N'est-ce pas? Allez, back corrup. Ok, c'est un bon anneau en plus, ça fait plaisir. La back corrup avec un bon petit G, 59 de force, 17 sagesse, c'est ok. Je fais toujours 17 minimum en sagesse, vu que le minimum sagesse c'est 16. Voilà, on fait au moins 17, donc c'est sympa. Et c'est un bon exo PA, ça fait plaisir. Ouf, j'ai commencé à me dire, oula, ça pue. Mais attention, à ce moment-là où on est en mode, oula, c'est pas ouf en vrai ce que tu commences à proposer. Mais là, à tout moment, on enchaîne, notamment sur un set, il peut se passer des trucs. C'est ça qui est bien avec l'exo. Il y a toujours le bon petit suspense, donc cool, ça, normalement, c'est dans les 25. Toujours, c'est le prix auquel j'avais vendu le dernier qu'on avait passé, en tout cas la dernière bague, le deuxième exo. Non, pas de double exo, ok. Bon, cool. Fiouf, fiouf les gars, vraiment, genre vraiment. Alliance corrupte, on enchaîne avec les corruptions. Beau petit G, cet retrait. Soulagement les gars. D'ailleurs je remonte pas mal en Kama aussi les gars parce que je vends mes runes notamment de transcendance. Vous savez, j'avais acheté en partant de Fury, j'avais acheté pas mal de runes trans, des tas d'audits, des tas de sauts. Et donc là, bah, vu que j'en ai pas encore l'utilité et que je vois qu'on peut les craft depuis un petit moment, bah, en vrai ça va, je revends ça tranquillou. Et quand j'en aurai besoin, j'en rachèterai pour les stuffs de la team de Zero qui est revenu en force évidemment. Tac, pas de rush. Les petites convoitises, du coup, ouais, j'en ai déjà une en stock. Je la prendrai quand même avec plaisir si tu m'en passes une. Là, on avait un beau 48, 48, 28. Là, pareil, jolie stat. Nope. Et attention, les amis, on arrive au CS, évidemment, avec des bons petits G, évidemment, évidemment. Donc, lui, c'est le moins beau, c'est le minimum 55, 25. Mais bon, c'est déjà très dur à faire. Voilà, par contre, là, on a du 59 Intel, par exemple, évidemment. Là, on a du 60 Intel. Dofus, n'hésite pas, du 59 avec les Dizini. Non, et les 56. Ah, oh faudrait que je fasse une vague de 100 cestes, comme ça je meurs. Mais au moins j'en passe une. Peut-être. Enfin, il y a des chances. C'est chaud. Vraiment, ces cestes, je crois qu'on n'en passera jamais en fait. Malheureusement. On finit du coup, c'est les Volcorn. Allez, le double. Un seul, c'est pas ouf. Hein, voilà. Donc on aura un 5 crit, mais en 18 dos. Et. Oh, full 20 d'eau en fait. Ok, clean. Donc 4 tentats 20 d'eau. Et une tenta en 5 crit, pardon. Allez, allez, allez. Un petit 20 d'eau. Ça, c'est cool. 5 crit. Non. Et puis la dernière en 20 d'eau. Non. Ok. Bon. Pas ouf, hein, pas ouf. Ce que je vous disais, hein, là ça rembourse en gros la remontée. Le coût de la remontée, pas le temps, hein, parce que le temps, voilà, c'est quand même. Faut essayer de rentabiliser le temps, hein, quand même, qu'on passe, je sais pas combien de temps justement sur la remontée, mais c'est pas grave. Du coup, on va regarder ensemble le prix. Ça fait longtemps qu'on n'a plus fait ça. Mais comme je vous avais dit, normalement c'est du 25, donc ça devrait être assez cool. Je vous dis ça tout de suite. Ok, ouais, je vais mettre sur du 26, c'est pas mal. Il y a pas mal de petits gemmes, mais on est quand même au-dessus, donc. Ça devrait le faire pour 26 millions. Je viens d'avoir une idée, les poteaux. Vu que les tentabrisages sont assez rapides à remonter. Je parlais de remonter. Donc voilà, 26 c'est cadeau, on est sur la combattise. Pourquoi pas faire une vidéo sans, vu que ça fait longtemps, 150, je pense que je ferai genre 3 vagues des 50 items qu'on a. De full tentabrisage. Comme ça on aura enfin notre brisage, vu que ça ne veut pas passer à chaque fois sur nos vidéos. Là ça fait trop longtemps, j'ai envie d'en faire un. Ça peut être sympa, voilà, pourquoi pas, au lieu de vous laisser du void. N'hésitez pas à me dire, je pense que vous pourriez être chaud. Moi ça me prendrait pas trop
trop de temps. Ça prend toujours un peu de temps quand même, hein, mais ça va. C'est pas des siestes, quoi. Et voilà, ça pourrait être assez cool. Donc n'hésitez pas, je pense qu'il y a trop moyen qu'on fasse ça. Du coup, on est parti sur le tirage au sort. On est sur Twitter, là, c'est pas ça exactement. Vous avez été, voilà, 94 à participer. Il y a 5 millions, donc c'est parti pour notre petit gagnant. C'est bon, c'est bien centré. On est parti. Bonne chance, du coup, les bois. Tintin. Ouf, c'est Shad. Oh, Shad, déjà, Shad, c'est un habitué. Il nous a lâché un bon pavé. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes maudits. Voilà. Bon, je me rappelle de ce com. Merci à Shad, en tout cas. Et ça fait très plaisir de te faire gagner. Du coup, ben, voilà. On se retrouve comme d'hab sur Hush. Tu me donnes ton pseudo dans les commentaires. Et puis, tu as gagné. Du coup, c'est 5 millions. Pour la prochaine fois, ça sera encore une fois, donc, juste 5 millions. Donc, n'hésitez pas à participer dans les commentaires, à liker, à vous abonner, comme d'habitude. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Et puis, ouais, très sûrement mercredi prochain. Spécial brisage PA, et puis jeudi normalement, du coup ça fera la vidéo brisage, ça me semble pas mal. Allez, à plus tout le monde, ciao ciao.